vidéo aujourd'hui, en ce beau dimanche de tempête et de peu de soleil, eh bien nous allons monter dans le ciel. Comme vous le voyez sur votre écran, eh bien encore une vidéo, c'est vrai qu'il y en a énormément, hein, d'ovnis sur l'ISS. L'ISS, ça a été filmé le 21 février 2019, où on peut y voir trois objets qui passe rapidement devant le hublot de la Station Spatiale Internationale. Alors, vous ne fiez pas à cette photo. Je pense que c'est un montage, vous allez comprendre pourquoi. On va regarder la vidéo, hein, parce que sur la vidéo, on ne voit pas tout ça. Alors, on va voir la vidéo tout de suite, et puis on va en parler un petit peu ensemble ensuite. Donc, c'est parti. Donc, UFO Today, donc c'est un enregistrement assez récent. Regardez bien. Voilà, 1, 2 et 3. On va ralentir. Donc vous voyez que c'est 3 ovnis séparés qui volent. Ensuite, on va ralentir la vitesse de 50%. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà plus lisible. Effectivement, on a la sensation de voir 3 triangles. Donc là, on va vraiment ralentir et zoomer. Donc je l'arrête, ok, hein, on peut se dire qu'effectivement c'est un triangle. Le suivant, le voilà, effectivement, vous voyez, je ne vais pas faire mon rabat-joie, vous savez que je suis ufologue, autodidacte, comme tous les ufologues d'ailleurs, mais j'aime chercher des solutions terre à terre, j'ai envie de dire, avant de croire aux petits hommes verts. Hop. Alors lui, il nous casse les pieds, on va regarder. Donc voilà, effectivement, vous voyez qu'il y a bien... Les objets semblent triangulaires. Alors, c'est pour ça que je vous disais, vous voyez que sur la photo... Donc là, on va encore zoomer. Et ils vous disent que les probabilités... mathématiques que trois objets similaires passent auprès de la station internationale, la station spatiale internationale, pardon, en ligne en plus, semble assez peu probable. Donc moi, ce que je soupçonne, hein, et j'aimerais bien que ce soit des vrais vaisseaux spatiaux, je ne vous le dis pas, je ne vous le cache pas, mais bon, voilà, ça se saurait si c'était le cas. Ce que j'ai envie de vous dire, je pense que c'est... Vous voyez, ça n'a pas vraiment la forme d'un triangle. Donc ils font des comparaisons avec des photos assez anciennes qui ont déjà été prises sur Terre. Donc on le revoit un coup, deux coups, de deux, de trois. Moi je pense que ce sont des débris. Donc laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, comme il y a noté là, la possibilité mathématique que trois débris spatiaux volent en ligne droite près de l'ISS semble très semblable, proche du zéro. Ouais, ça se discute. Ça se discute parce que moi, quand on y regarde de près, on ne les voit pas si similaires que ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est super important ce que vous en pensez. I want to believe, moi aussi. Mais c'est pas pour ça que, vous voyez ce que je veux dire, faut pas croire à n'importe quoi et vouloir y croire absolument, les yeux fermés. Quand on zoome sur les objets, ils ont l'air de triangulaires, moi je suis pas tout à fait d'accord, ils disent que l'un d'eux semble se transformer en papillon, bon voilà, on l'a vu ensemble, voilà. Donc ça a été publié le 10 mars, hein, sur le Nouvel Ordre Mondial, ça vient de Disclose TV. Donc si vous voulez y aller, ben, vous voyez dans la vidéo, c'est pas compliqué à aller voir les choses. Voilà, je voulais partager avec vous parce que c'est quand même vachement intéressant. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'il y a énormément de vidéos de l'ISS qui publient des films d'OVNI. Et puis il y en a aussi malheureusement, j'ai envie de dire, énormément qui sont coupés par la NASA, ce qui alimente effectivement la théorie du complot, que effectivement la NASA, les grands pays de ce monde sont au courant de l'existence des extraterrestres et qu'ils ne le révèlent pas pour des raisons X, plurielles.
Bon, ça c'est aussi, ça alimente les zététiciens. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le-moi dans les commentaires, c'est super intéressant et important pour moi. En tout cas, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, trois choses à faire tout de suite, hein. Vous cliquez tic-tic, je m'abonne à la chaîne, tic-tic sur la cloche et tic-tic un pouce vers le haut. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous souhaite un excellent dimanche, en tout cas tout ce qu'il en reste. Ciao les petits loups!